Bam don yon bagay chè pam. Ou tan dem lomen nan yon moun la. Mè sou tan le fè tab de ou nan, pa le fè tab de ou nan avon, sa fè fè nan. Arrêtez de parler de la vie. Parler de la vie. Alors, et pourquoi est-ce que Paul dénonce ce système-là? De celle de quoi? Paul de? C'est de la Bible, ma parole. Comment on bagage ce pas? Bon, donc tu bagages vite fait. Nous avons un peuple qui veut sauver. Nous avons des gens qui veulent sauver. Et nous bouquons avec tradition, avec système ça. Et nous besoin des leaders, des hommes vocationnels que Dieu a appelés pour transmettre vérité à Jean écrit dans la Bible. Pour suspendre battre peuple là et pour dire vérité à Jean Léa. Si on ne pas d'accord, gloire à Dieu. On ne l'aime et puis d'accepte. Pardon? Ou si c'est la Bible là. Ah, ou qui c'est la Bible là? Si c'est la Bible là, la Bible. Ah, ma frère, après, au monde qui parle caoudan, son bonne chose, c'est lié. Alors, dit, ou ça, je suis avec un monde comme ça. C'est un bon de voir, quand la Bible dit, si pécheur là, lui péché, ou pas dire qu'il péché, ou pas la velle, pour le détourner, ni, ou après responsable, non mieux. Mais si on fait, ça que vous devez faire, il n'y a pas accepté, il n'y a pas appliqué. Ah, mais c'est eux-mêmes qui sont responsables, c'est pas eux-mêmes. Voilà pourquoi que ce n'est pas moi que moi dis ça qui est vrai et ça que la Bible défend. Tout système qui est en dedans, tout système qui est en dedans, soit disant ça y est l'église, ils font un paquet de monde en bois pour égarer, pour prétendre que ils disent c'est dans ce lieu. Ah, mais on a décortiqué tout ça, on a dénoncé tout et la Bible derrière pour me faire. Si moi je parle de la Bible, vous ne parlez de tableau ronde d'accord, mais après tout ne dit même pas la scène. Si vous demandez pour chuter avec vous, vous n'êtes pas d'accord. Qui sont vous faire ça? Prêcher l'évangile ou vous faire un peu? Amenez ça, ma femme. Bon Dieu de Dieu. Ok, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, c'est un bon bagage qui est clair. C'est que, gros paquet de monde, un paquet de malheur, ils n'ont pas qu'on lit, ils n'ont pas même qu'à marcher. Et on va penser qu'ils ont mensonge. Ça, nous pas qu'à t'aimer pour ne pas dire vérité à Jean-Lia, 100% évangélique. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est pour la première fois. D'accord, bienvenue. Oh, c'est du nouveau. Ouais, c'est téléspectateur. Même bagarre là. Chum, ça pour montrer que vous ne connaissez pas ça. J'en dis là, c'est que vous ne connaissez pas que la Bible pas dit. Est-ce que vous connaissez la Bible défendre ça? Attends, pourquoi aller? Bonne question pour vous. Regardez, ce pape, où dit bon Dieu t'es final? Est-ce que c'est la Bible qui dit bon Dieu t'es final? Qui c'est la Bible? Est-ce qu'on consulte la Bible, Sœur? Qui est-ce qui dit bon Dieu t'es final, Sœur? Qui est-ce? La Bible ou bien un homme? Ok, merci. Voilà, chers téléspectateurs. L'évangile pas prêché. Voilà pourquoi qu'elle me dit que yo pas qu'elle sous fondement apôtre là, yo qui fait que fondement apôtre là par un accord avec yo. Ça me suis affaire là, j'ai pas fondement apôtre là. Fondement apôtre là c'est chaque jour vie. Communion fraternelle, l'instruction divine et enseignement chaque jour. Ça moi là c'est pas la Bible qui est liée. C'est pour ça évangélique, bon Dieu béni. Oui, bonjour, bonsoir Thomas. Bon Dieu béni, sœur moi. Oui, Thomas, mais pas comme on est dans la vérité, c'est ce que vous voulez. Eh bien, ce pas, c'est pas fini au clé, c'est que Dieu est bon, c'est que Dieu est couvert pour encaisser. Mais tout le monde est à l'église vraiment bien. Mais quand on fait du bon, ça qui va bien, quand on fait des salons, on va faire du bon, ça va bien, c'est pas là que vous avez le bon pour l'éducation. Mais si vous n'avez pas examiné la parole, demandez pour vous ouvrir la Bible, vous n'avez pas ouvrir la Bible, mais ça peut vous faire obligé des problèmes. Alors voilà pourquoi on a ouvert dans l'église Dieu. En plus, c'est pas yo même qui n'a congrégation yo. Yo même yo a plein yo pas capable. Ces bagages là dégénéré oui.
Il n'y a pas de vérité. Non, qui te relève pour qu'on connaisse qui majorité des gens qui loin de la parole. Pour qu'on capte des preuves que la Bible pas enseigné, que l'évangile pas prêché. Ah ben voilà, je préfère. C'est normal, il y a même les mauvais jours, c'est pas grave. Si tu veux les mauvais jours, tu t'appelles, parce que tu veux les mauvais jours. Non, je ne suis pas d'accord pour me payer pour vous, non. Les ma petite ce matin, ma juste pas être là pour me dire je suis plus du sang de vous tous. Car je vous ai enseigné la vérité. Exactement, je dis ça qui est là et puis c'est tout. Même vous les sauver, je ne pas mal, c'est bon. Vous voulez sauver, débrouillez-vous. Que bon Dieu bénisse. Merci pour appeler. D'accord. Ok, bon, n'a plus texte ça, mes amis. Bon, mon titre pour me lire Lévitique 22, pour nous parler de touchement avec cadavre, là, attouchement. Et le verset 3 dans Lévitique 22, dis-le, tout homme parmi vos descendants, et de votre race qui s'approchera des chaussettes qui consacre à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura su lui 100% évangélique, bon Dieu béni. Ça va être problème. Musique là un peu trop fort. Ok, on a besoin de techniciens souples, font ils baisser la musique là pour nous souffler. Ok. D'accord, c'est pas moi. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Que Jésus te bénisse. Dis-le, le verset 3, Lévitique 22. Tout homme parmi vos descendants de votre race qui s'approchera des chaussettes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des chaussettes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le cadavre de par le contact d'un cadavre. Alors, Fabien, là, il dit surtout chez les gens qui touchent son cadavre. Là, le pire, lui, j'aime pas cette théâtre, c'est pas ça, non, le pire Dieu. Elle dit si, je connais, frère tel, touche son cadavre, mal touche avec elle, mais puis. Alors, dis-moi, je connais, je suis quand même un cadavre, ça, dans le présent du monde, je pourrais le faire 6000 ans avec elle. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, je sais pas, comment ok, vraiment fort, enfin, extrême musique là pour nous, s'il vous plaît. Enfin, je a dit, mettez-le plus bas pour nous, s'il vous plaît, musique là. Un peu plus bas, frère. Ok. Alors, c'est ça, oui, on pensait que la Bible te dit, si vous touche à un cadavre. Non, c'est si vous touche à un cadavre, il dit, moi, je touche. Et puis, mais puis. Alors, pour montrer comment il était grave dans l'Ancien Testament. Alors, qu'on y a là dans le Nouveau Testament, qu'on n'a pas retracé ça du tout. Afin qu'on a pour nous, nous, y a 30 ans, y a une église à elle pour venir chanter en témoin. Comme c'est comme il dit enterrement, il va dire enterrement pas le dit chante, enterrement veut dire enterré. Tout le monde qui a l'école, il est comme ça. Si vous ne connaissez pas, on crée des prophètes. Parce qu'on connaît enterrement, il veut dire enterré. Mettez dans tout. C'est ça qu'on connaît, il veut dire. Si on connaît là, on prend enterrement, on prend l'enterrement au cadavre et puis on coupe le choral. Moi, je m'assiste ça même. Choral là, tout autour de ce qu'il y a là. Et puis, il n'y a pas mis tête en l'air, il y a baissé tête sur servante qui était mourir pour chanter. Et puis qu'on a la prière de la gloire. Alors, on pense que bon Dieu recevra la gloire. Ça, non. On pense que son bon odeur, qu'on est dans son odeur pourri. Il n'est pas bon parce qu'il parle l'évangile. Étienne mourit, côté de Théo et ça. Ananias Saphira mourit. Jésus-Christ, l'exemple le plus parfait que nous avons. Est-ce qu'il y a Théo et ça? Hein? Bon, pour Paul, Pierre, Jean, Timothée. Bon, Timothée n'a pas dit parce que Timothée, c'est une chance à jouer encore Timothée. Les autres tuent Timothée. Hein?
Mais Pierre, c'est sous le Vatican, il a cloué le tête en bas, et puis il a enterré là, il a tout construit le Vatican sur lui, parce que la Bible te dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, ça nous pas dit qu'il a été chanté en terme, ou peut-être que quelqu'un a dit qu'il a été chanté en terme, mais comptez-nous, je dis dans la Bible, qui bon? Oh, Apocalypse 22, le verset 18-19, qui ça le dit? Piga ou été, piga ou mette, soit ou mette là, coton jeunavel. Là, regardez, c'est un gros palto qui a défilé une après l'autre pour faire cérémonie. Bon, qui cérémonie a mis là? Hein? Côté l'écrit. Côté l'écrit. Alors, pour ceux qui te parlé tout à l'heure, nous déjà un texte pour faire attouchement avec ce qui est là. Hein? Et la Bible considère ça comme une pollution pour montrer que maintenant, on ne peut pas rentrer dans le sanctuaire côté soi-disant, on ne peut pas adorer, pour pas chanter, pour adorer. Non. Nous avons déjà mouru, mourir, c'est fini. Nous avons enterré le point final. C'est ça la Bible dit. C'est pas rien. C'est ça nous voyons à travers la Bible. Nous ne parlons rien encore. Nous avons mouru en séveli, nous mettons le nato. Point final. Jésus qui mouru en séveli, nous mettons le nato. Et puis c'est ça. Alors, pour ceux qui disent, côté la Bible dit que ou pas doué, pour fi pas diriger, pour montrer que l'évangile pas prêché. Mais ce pape Nabdou, que si vous regardez, non seulement nous ne pouvons pas parler de prêcher, mais seulement l'on a assemblé. Hein? L'on a assemblé, les femmes n'ont assemblé. Si vous regardez dans 1 Corinthiens 14, le verset 33 jusqu'à 38, ou après la Bible dit. Et ceci, cela dit que c'était dans l'ancien temps. 1 Corinthiens 14, ce n'est pas l'ancien temps, c'est l'église. Or, dans le verset 33, l'apôtre Paul a dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors, si la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, hein? Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Alors, qu'on a mouru, je nous servante. Oui, la Bible te dit dans l'ancien temps. Mais elle répète, la loi te dit ça déjà, selon que le dit aussi la loi. Parce que la loi te dit. Or, qu'on a un siècle pas. Pour l'église, la Bible dit que les femmes n'étaient sans parler dans l'assemblée. Or, qu'on a une femme qui a dirigé, prêché, fait un paquet et bagaille. Et pourtant, ce n'est pas la Bible. Ça pousse à l'évangélique, bon Dieu béni. Peut-être, je sais ça, je ne sais pas, 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 non, on connaît ça, bon Dieu, c'est pas facile. Je ne pas mon Christ, je ne pas faire ça, Christ. Je ne sais pas. Vous avez écrit dans la Bible, vraiment, pour qu'il s'y appelle. Ou pas mon Christ, comment vous faire faire ça, Christ? Je ne sais pas. 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 Alors, normalement, on a fait une rectification. Pas ni lieu saint, ni lieu très saint encore. On comprend? Elle dit qu'on a fait un bout de bagaille, on a bien haut, on a la tête en l'air, et puis on a parti en bas. Non, tout le monde est dans le même niveau. Bon, hein? Et puis tout fille qui a venu chanter correctement, comme nous t'avons déjà traité ce sujet-là, pour témoigner, lorsque le dirigeant qui a dirigé a fait place à l'assemblée, comme il dit dans 1 Corinthiens 14, 26, si vous avez un chant, un cantique, une interprétation, une instruction, qu'est-ce que vous faites pour l'édification de l'église là? Alors qu'on a moun ça passé pour édifier l'église dans le chant, non? Pendant que la béni, non, bon Dieu, non, non, Jésus-Christ. Mais moi-même, je ne sais pas si je ne peux pas comprendre. Des fois, l'on est dans la écrit. Nous avons toujours dit ça, c'est l'autre en bas la loi, qu'on est en bas la grâce. Bon. Question pour poser, je ne sais pas. Mandez si vous n'êtes pas en bas la loi, comment vous faites connaître les péchés? Hein? Juste mandez ça. Et puis, vous n'avez pas qui ça vous n'a dit. Vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous la loi. Mais comment vous savez que vous avez péché? Quand vous avez péché? Comment vous avez péché? Alors, c'est peut-être ça que vous avez besoin de préciser et comprendre. Si vous n'avez pas la loi, comment qui vous n'avez pas devant vous? Et c'est ça qui fait ça, parce que vous n'avez pas la loi devant vous. Parce que moi-même, je suis plus l'église ici. Dans ce matin, tout ce qui est en train de parler. Non, c'est gagote. Aux États-Unis, en France, partout dans le monde, c'est ça. Mais la Bible n'est pas d'accord, ce pam. Et apôtre Paul clair, 1 Corinthiens 15, le verset 1er 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain.
Et le verset 19 lui dit, si c'est comme ça, si c'est dans la vie ça, j'en ai vivre là. Nous espérons nous dans Christ. En vérité, nous plus malheureux que tout le monde sur la terre. En vérité, parole la belle, parole la bonne. Franchement. 1 Corinthiens 15, verset 1, 2 et le verset 19. Ok, merci. Que mon Dieu bénisse. Bye bye. Bye bye. Alors, on a regardé 1 Corinthiens 15 là. Ça, la parole dit. Ça, la parole dit. 1 Corinthiens 15, le verset 1, 2 et le verset 19. Alors, le verset 1, 2, je vous appelle frère. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez couille en vain. Alors, qui l'évangile Paul prêche? Femme n'a pas rien à diriger. Baptême n'a pas fait au nom de Jésus-Christ, c'est pas au nom du Père. Parce que y a un monde qui baptise au nom du Père, pas baptisé, n'a aucun nom. Aucun. J'ai bien dit. Aucun nom. Père, quel est le nom du Père? Au nom du Fils, c'est qui? Quel Fils? Quel est son nom? Parce que là, on n'a pas de nom propre, on a de nom commun. Et nous devons trouver le nom propre de la personne. Allez, on n'a pas de nom propre, là, on peut faire baptême. Hein? C'est comme si on a une équation, on doit chercher un connu, on doit ben, elle est comme ça, on peut même chercher un connu. Ça qui passe. Ce n'est pas normal. Parce que dans Matthieu 28, 19, là, il y a un seul nom. C'est ça qui fait, on a écrit au singulier parce qu'il y a un seul nom. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gon seul nom là qui attribué Avel et non pas par nous dans siècle ça c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Père, notre Dieu, notre Jéhovah, notre Yahweh, il s'appelle dans notre siècle Jésus-Christ de Nazareth. Et par contre l'autre nom parce que c'est ça le dit dans Jean 17 le verset 6. Jean 17 verset 6, qui ça le dit? Dans Jean 17 verset 6 chers téléspectateurs, mais ça le dit. Le verset 6, Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alors, qui parle? Qui parle dans ce verset? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Bon, on pose peut-être une question, chers téléspectateurs. Qui nom apportes-tu à te recevoir? Qui nom apportes-tu à te recevoir pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous chasser des démons, pour nous marcher? Pour mon vivre, pour mon dormir, qui n'a pas été reçu? Qui n'a pas été en ciel là? Selon Acte 4:12 là. Qui n'a pas été reçu? Attendez bien, oui, bon, je vais lire le texte là. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. En essayant de garder le texte là, en analyser. Gardez le texte là. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Bon, qui est-ce? Monsieur ça me pas comme le citer non non monsieur ça te vini qui vient mourir c'est lui même qui a parlé là il mourit pour l'humanité pour le bail la vie mais quand elle dit je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné bon on demande monsieur ça on demande monsieur apotio qui nom monsieur ça fait au connaître parce que là si, ça papa l'a parlé oui elle dit papa me fait connaître nom avec monsieur qui était bon mieux. Bon, kounya la, qui non misye bay mesye yo? Qui non mesye yo di ke yo te recevoir? Qui non? Kounya la, pour découvrir le nom du Père, comment rele? Et Jésus-Christ de Nazareth rele. Il pas gon l'autre nom, non? Si il gon l'autre nom, il pas rele ni Jéhovah, ni c'est Jésus-Christ de Nazareth. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bonjour, frère. Bon Dieu béni, sur moi, avec Jésus. Marie Laura, comme vous avez oui. Eh bien, mon professeur, moi, Lila, ma moelle, comme Baoul, est-ce que c'est menti? D'accord, vas-y, n'attendez pas. Lili, elle a 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Verset 5, est-ce que ça c'est menti? 1 Corinthiens 11, verset 5. Il m'a pris tout le ciel, il y a déjà 11 ans à l'île, pourquoi? Pas de problème, n'appelez verset 5 là. Verset 5 là, pour. Verset 5 là, et puis sans problème, pas de problème. D'accord. Verset 5, ça dit, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Alors c'est quoi l'idée là, ma soeur, s'il vous plaît? Ah, allô, où là? Oui, l'idée à qui ça vous voulez faire passer exactement?
Non, moi, oui, moi, je compare une femme, pas de droit. Et porter un message et la prière sans tête. Sans tête, il n'est pas voilé. Pas voilé. Alors là, vous voulez baser sur voile là ou bien. On va au Philippe. Pas de faire ça, pas de faire ça. Pas de faire quoi? Pas de diriger, pas de porter un message. Mais moi, dans la Bible, dans verset 50, et que femme n'a pas de côté ni le message ni la prière quand elle va vous aller. Bon. Bon, nous répondons avec ça. Ou dit, bon, apparemment, que ou pas. Enfin, ou pas souvent garder l'émission, mais nous parlons pour Saoudi à vite fait pour éviter confusion ça. Voilà. Selon la Bible, comme nous te bat texte vite fait pour. Ok, on met la couche. D'accord, pas de problème. Alors, comme il parlait de prophétie et puis prier. L'enfant a prié par rapport à l'autorité sous personne. Ou bien la baillon prophétie par rapport à l'autorité. Nous parlons pour ça. Et nous te dit que femme n'a capoté une prophétie. Il a capoté une prophétie. Il a chanté un chant. Il a témoigné. Nous te dit. Parce que la parole de Dieu qu'est. Alors, en tenant 1 Corinthiens 14, 26 là avec moi, mais ça le dit, 1 Corinthiens 14, 26. Il dit, que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Il dit que lorsque fille, ou bien qu'elle soit monde d'assemblée, et ça nous dit ça tout à l'heure, si vous avez entendu, attendez. Lorsque dirigeant cap dirige assemblée a dirigé, c'est lui qui gagne monopole la namel. C'est lui qui a commandé. Lorsque moment arrivé pour Matthieu 1 Corinthiens 14 26 là accompli, moment ça son moment pour faire place à l'église là pour ça qui gagne chant, un témoignage, ça bon Dieu fait pour lui parce que la Bible pas interdit mon pour lui dire ça bon Dieu fait pour lui. Vous comprenez? Pour le temps, là, c'est dirigeant qui fait place à elle maintenant là pour chanter un chant, bye bon Dieu gloire, pour dire ça bon Dieu fait pour lui, et puis vous faites place maintenant, dirigeant fait place à l'église, et puis bon, si c'est votre langue au chant, il passe, il campe, dit bon Dieu bénis nous, et puis voilà, nous chantons ça pour bye bon Dieu gloire, pour édification l'église là, comme moi t'ai dit dans l'émission qui t'ai faite avant. Quand nous chantons, nous chantons un chant, l'église à Kounia là, pour aller. Mettez dans la même harmonie avec Mounsa, kap chante a, pour bénir nos bon Dieu, pour édifier par chant. Par façon que Mouna béni nos bon Dieu, qu'on a l'église a béni aussi, par je que Mouna chante a. Là, Mouna fini, mais toute l'église a dit Amen, et puis Mouna chita na place. En frère, par exemple, frère a un chant, ou bien un témoignage, ou bien une interprétation, ou bien une prophétie, Mouna kap li bay prophétie a. Tel bagay, tel bagay, tel bagay, tout le monde tende. Et puis après ça, les moments. Étape ça fini, étape de chant, témoigner à tout ça, monde qui gagne. Et puis, qu'on a là, dirigeant répond place lui. Et puis, le service a continué correctement. Qu'on a là, le veut chant, fille a chanté, garçon a chanté. Parce que leur dit, ce thèse là, ça va dire un silence absolu que fille a pas qu'à dire béni soit l'éternel ou bien pas qu'à chanter. Non, pas du tout. Et c'est comprendre la Bible dans ce sens là. Ça ne veut pas dire que la Bible pas veut ou est femme ou bien femme son esclave ou bien femme. Non, non, non. Ce n'est pas l'idée. Parce que j'aime souvent dit que, mesdames, c'est petit chouchou, bon Dieu, que vous y est. Parce qu'elle demandait, monsieur, pour remettre mesdames, comme lui-même, lui remet l'église, lui. Alors, voilà la raison pour laquelle elle nous dit que, bon Dieu, parce que mesdames, yo pas gain autorité sous garçon, yo pour diriger, bien dit, levez-nous debout, béni soit l'éternel. Non, yo pas gain autorisation, ça. Yo pas qu'à diriger ni prêcher. Mais après ça, on a fait tout le reste, l'autre bagaille. Yo. A fait enseignant dans l'église, là, non. A fait diriger, camp et pousser, yo cap gouverner l'église, là, non. Yo pa gen droit faire ça. Fait pour camper a bien faire l'église mette nous debout. Non 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 non. La Bible pas ba l'autorisation c'est garçon yo qui responsable de ça. Yo cap chanter pour bay bon Dieu gloire. Lorsque yo bay place pour sa fête, mais li pa ka fête comme ça. Ça que dit prier, la fille a prié, elle prier la cali prier dans assemblée là. Normalement faut être li voiler, avec ça son l'autre bagaille pour être li voiler correctement. La bay prophétie là, mais si les moments arrivent qu'on a fait place bien prophétie, bay prophétie peut-être qu'il va aller correctement parce qu'il suppose qu'il va aller pour le soumettre avec autorité parce qu'il n'a pas qu'à monter sous autorité que l'évangile mettait devant lui. Alors, quoi, en résumé, ce pas peut-être que ça aide à comprendre mieux ou pas, pas qu'on aime, mais c'est vous-même qui pouvez dire moins. Mais en résumé, c'est ça que nous disons par rapport à la parole de Dieu parce que nous avons traité ce sujet ça déjà. Voilà. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, comment y est? Ah, bien,
Avec Jésus, nous pas plus mal. Et ça, moi, t'es désolé, parce que ma petite a pu, dans tout ça, à finir. Mais pour moi, c'est la vérité. Parce que moi, c'est selon la vie, tout ça, la vérité. Tout ça, on va finir, on va y vivre doucement. C'est la vérité. Mais, et ça, moi, t'avais dit, ça veut dire, est-ce que c'est seulement la télé ou carrément la bonne nouvelle? Non, ce n'est pas seulement la télé, parce que la télé n'est pas là pour tout le temps. Moi, pour nous, sommes. Non, ce n'est pas seulement la télé, c'est partout. Dans la prison, dans la rue, et puis dans l'assemblée côté nous réunis, l'hôpital, tout le monde, ou bien dans deux bars à domicilio, l'évangile a prêché. Oui, l'évangile a prêché. Exactement, ce n'est pas seulement la télé, c'est partout. Il faut aller dans la maison, il faut aller à l'hôpital, dans la prison, il faut aller dans la rue, il faut aller à domicile, il y a des débats pour faire. Parce que l'évangile, ça va pas monde ou pas prêcher. Ou en mesure pour prêcher quelle soit la religion qui a bien devant nous, parce que vous avez l'évangile complet devant vous, qui écrit noir sur blanc. Tout autre monde ne peut pas refuter. Amen. Prêchez. C'est que c'est solide. Parce que vérité est vérité. Vous ne pouvez pas dire rien contre lui. Sinon, si c'est mensonge, vous prêchez ce pam. Vous ne pouvez pas toujours aller gros paltogen qui fait théologie. Vous comprenez moi? Soit vous cherchez jeune avec nous, mais vous arrêtez là pour vous fermer la bouche. Parce que depuis ça, il n'y a pas vrai. On a dit que le dit. Il faut que dit là côté l'écrit. Et puis rapide, la bouche est fermée. Et puis je quitte le plateau. Tout va bien. Je ne vais pas faire preuve ça, m'a dit. C'est ça, je me dis ça parce que quand je me fais tout le temps, je me suis déménagé. Chaque fois, je me fais un petit peu de vacances. Oui. Et des fois, je ne pas me faire des fois, je ne pas me faire des fois, je ne pas. Mais malheureusement, ça vous fait ça. Mais vous êtes capable de faire travail là, c'est celle même qui a fait travail ça. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez besoin de moi, mais, grand problème. Le problème, et ouais, que vous faites, c'est que vous venez là, vous ne pouvez pas dire que vous avez besoin de Jéhovah. Alors là, ça vous fait ça. Ça vous fait ça, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous n'êtes pas selon la Bible. Vous n'êtes pas accepté Christ. Vous n'êtes pas d'accord avec Jésus-Christ. Vous n'êtes pas respecté la divinité de Jésus-Christ. Il ne pas reconnaître Jésus-Christ en tant que sa liée. Alors, pourtant, si bon, sans Christ, on a fait. Il n'y a pas Christ pour passer. Bon, on ne pas reconnaître Christ. Oui, a, oui, si vous avez vu là, Jésus-Christ pour vous amener, vous ne pas mener Jésus-Christ. Bon, si vous ne pas mener Jésus-Christ, ça pour vous. C'est comme si vous avez même à l'autre. Mais vous même pas prêté ma foi, vous ne pas capable. Mais vous ne pouvez pas faire notre religion. Vous ne pouvez pas critiquer. Vous ne pouvez pas faire ah oui, ils mettent pas ça parce que c'est comme moi qui m'a pour bas sens avec principe. C'est la vérité, je pense que travail là. Alors, normalement, Gombagay, oui, je sais pas. Il y a une différence entre yon moun qui soit. D'accord, pas de problème. Alors, il y a une différence, chers téléspectateurs. Alors, lorsque Christ mandate pour faire un bagage avec on mène tête pour contour. Lorsqu'on mène tête pour contour, c'est temps où on a perdu par Christ par vous. Et le pape bon instrument pour faire rien. Elle se reprend. Les témoins de Jéhovah, ils ont des maisons à maison. Mais qui est-ce qui a prêché Christ? Non, ils n'ont pas prêché Christ. Et la Bible modifie, ils ont pas quoi privé avec elle comme ça. C'est pour ça évangélique, bon Dieu béni. Allô, bonjour. Bon Dieu béni, monsieur, moi. Oui, en fait, nous après-midi, c'est moi qui ai dit un bagage sur télé, une dame qui connaît. On dit que bon Dieu, pas de somme droit pour le travail. Comment le servir avec vos soeurs? Bon, mon texte prouve comment Dieu servit avec une femme à travers la Bible. Et puis, qu'on est là, m'a répondu après. Ils ont servi avec Samuel à travers la Bible. Exactement. Montrez-moi comment. Enfin, d'après la Bible. D'après la Bible, pour qui ça l'aide aux femmes à lamenter dans pied, bon Dieu, bon Dieu, répondit. Pour qui ça l'aide à vous attaler, bon Dieu, servit avec longtemps avec Déborah. Pourquoi bon Dieu servit avec Esther dans la Bible aussi en tant qu'on jeune? Mais servante! Le fait que vous ne doit diriger, prêcher, ça ne veut pas dire que vous pas mon Dieu, mon Dieu, pas capable d'avoir, vous mon Dieu, pas tant de choses. Et c'est quoi? Mon Dieu dit qu'on si mon Dieu pas veut parler, la personne, vous ne représentez pas mesdames. Non, pas du tout, vous ne représentez mesdames. Ah, mais non, vous ne pouvez pas comprendre qu'on est là. Alors, le problème qui est, bon, tu vas sur Déborah. Ouais, Déborah? Oui. Pendant 20 ans, réunion, c'est 20 ans apostasie. Si vous ne pouvez pas retourner dans le texte, vous regardez pour vous. Et en plus, non seulement ça, il était un homme bon côté lui, parce que Dieu te voulait régler le peuple là. Parce qu'ils ont fait trop rebelles, ils ont passé trop juges. Et ça fait le bailleur aux femmes.
Et m'bral bon preuve là. Regardez qui sa prophète là dit là. Maintenant, dans Isaïe 3, le verset 12. On parle de qui ça dit par rapport à tout sacrifié peuple là.